Salut tout le monde, c'est Steve Freddy. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, sur un émulateur PlayStation 1 sur Android qui s'appelle EPSXE. Déjà, pour commencer, pour le télécharger, il faudra aller se rendre sur Aptoide. Et là, vous prenez la version EPSXE pour Android quand vous tapez EPSXE dessus. Moi, je l'ai déjà installé, donc voilà. Je retourne sur l'application. Vous allez télécharger des ROM. Ça. Voilà, donc run game. J'ai déjà téléchargé des ROM, moi. Donc on va se faire un petit Tekken, allez. Tekken 3. Allez, on va prendre le... On va se faire une petite partie. Round one. Fight. Moi, il y a des bugs de son, c'est à cause de la puissance de mon téléphone. Changer de jeu. Il y a trop de bugs sonores. Alors Marvel vs Capcom. Là, il n'y a pas de bug de son, c'est. Je suppose que ça doit dépendre de la puissance que demandent certains jeux. Voilà. Comme vous voyez, bah, ça tourne plutôt bien. Temps de chargement, je me demande vraiment à quoi ça sert, franchement. Alors, je vais choisir un perso. Voyons voir. Allez, Ryu. Partner Heroes avec Mega Man. Easy. Allez hop, c'est parti. Dossus. Oh, je vais peut-être plus le mettre contre Zangief. Ouais, ça c'est l'émulateur, ça c'est mon téléphone qui manque de puissance parce qu'il fait tourner le logiciel pour filmer et en même temps alors je me demande comment oui, je crois que c'est comme ça pour faire un faire le Hadouken. Ah oui, voilà. Ah non, c'est la super technique de Mega Man. Ce jeu plus fun que l'autre. K.O. Alors, c'est comme ça, je suis arrivé à faire un deuxième. J'adore trop le rapport avec Mega Man. En tout cas, ce jeu est très bien. Sachez aussi que les ROM PS1 fonctionnent sur Recalbox, le logiciel que je vous ai présenté précédemment
suivre ma chaîne. N'hésitez pas à aller regarder. Pouf. Je vais pas crever maintenant. Allez. K.O. Fatality. Voilà. Bon bah les amis, c'est tout pour cette vidéo sur cet émulateur de PlayStation 1. Voilà. Je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Allez, salut.